Bonjour et bienvenue sur la chaîne des Bébois. Cette semaine, on fait du unboxing. Je me suis acheté la DH330 de chez Metabo. Allez, c'est parti! Ben, ça y est, c'est déballé. Eh ben, dis donc, c'est du costaud, hein. C'est lourd. Waouh. Tout abattu ici en fonte. Je regarde la mécanique. Ouais. Là, on peut aller jusque 3 mm, hein. Je vais vous donner les caractéristiques techniques juste après. On a le plateau d'entrée, le plateau de sortie, avec les petites vis de réglage. On va voir tout ça ensemble. Ouais. Non, franchement. La première impression, waouh, super content de mon machin. Hein. Allez, on continue. On se retrouve ici à l'arrière de la machine, donc vers la sortie. Hein. On va voir le bois qui va arriver de ce côté-ci, qui va sortir ici. Et là, on va déballer le système d'aspiration pour les copeaux. Qui va venir se monter ici. Et vous avez vu, là, il se démonte très très rapidement, il se monte très rapidement. On vient l'emboîter sur l'arrière de la machine, comme ceci. Et on vient visser ici. Les éléments de sécurité, la clé. Allez, maintenant on va vérifier tout ça. Bien, j'ai fait le tour un peu de la machine, j'ai regardé. Bon, bah, plus précisément, vous avez le bouton marche arrêt ici. Ici, lorsqu'on va passer la planche, on a une indication de profondeur de passe, jusque 3 mm. Vous voyez ici 0, 1, 2, 3. Ici, on a la hauteur de la pièce qui sera rabotée, pièce finie bien sûr, donc on va venir régler, quand on fera des tests tout à l'heure, ce qu'il faudra régler ici, on desserre les deux vis et on règle bien précisément la hauteur de la pièce en sortie, on mesurera. Pour l'instant, ma première impression, c'est une belle machine, bien robuste, très rigide, elle paraît très très rigide, et le système de freinage ici qui vient bloquer sur les 4 colonnes, très très robuste. Là, je suis très content. Ce qu'on va faire pour le moment, avant de la démarrer, avant de regarder, je vais venir ici mettre mes deux niveaux et on va vérifier si chaque table est à la bonne hauteur pour les deux réglages. On a ici deux petites vis de réglage pour régler justement cette hauteur de table par rapport à la plateforme ici à l'intérieur. Allez, on regarde ça de beaucoup plus près. Bon, alors là, je contrôle. Je contrôle ici si je suis bien à la même hauteur. Et en fait, là, malgré le transport de cette machine,
Là, je suis tout à fait bien réglé. J'ai pas de jour. Donc, on a bien sûr les réglages avec les deux petites vis là-dessous. Mais là, j'aurais pas besoin d'y toucher parce que je suis vraiment super bien réglé. J'ai vraiment ici. Et dans tous les sens, très bonne planéité de la machine. Alors, franchement, là, très bonne planéité de cette machine. Bien. Allez, on va passer au premier test. Eh bien les amis, franchement, là, je suis super content de mon machin. Je vous explique. Bon, déjà je vais revenir dessus. Bon, ça y est, la Metabo DH330, elle peut raboter jusque 330 mm de large, une hauteur de 150. De toute façon, c'est une 220 volts, hein, mais toutes les caractéristiques, je vous mets le lien dans la description de cette machine. Au-delà de ça, j'ai fait quelques tests de rabotage.
je suis bluffé. Machine très rigide. D'ailleurs, au début, je vous ferai voir quand même dans la vidéo, j'ai oublié le système de verrouillage. Parce que moi, j'étais toujours avec mon ancienne machine. Je descends, je rabote. Puis à un moment, je dis, oh zut, le verrouillage que j'ai utilisé après, petit à petit, que j'apprivoise, hein, j'apprivoise cette machine. Ben écoutez, je suis bluffé, je suis surpris. Vous allez me dire, oui, les fers sont neufs, tout ça. Ouais, j'ai déjà changé les fers de rabot sur ma machine. Mais c'est... En fait, c'est tout lisse. C'est tout lisse. Le bois, il est lisse de chez lisse, quoi. Lisse de chez lisse. Il est lisse, super lisse. Super lisse. C'est... De l'autre côté, avec ma rabot déco, hein, bon, c'est pas les mêmes tarifs, hein, ça c'est quand même un peu plus cher et elle ne fait que rabotage. J'avais toujours une peluche, une peau d'orange. Peau d'orange, enfin, un peu rugueux. Je pense que c'est dû aux vibrations. Là, ici, c'est tellement une table rigide, tout est rigide. De toute façon, ça se voit la qualité. À la qualité des produits, hein. J'ai pas encore tout découvert parce que bon, je viens de l'avoir, hein, mais franchement, c'est hyper rigide quoi. On a les colonnes, c'est un certain diamètre, la vis là, le freinage, le bâti ici, tout ça c'est de la fonte. Mais du coup, je pense que cette rigidité, on passe ce qu'on veut. Alors, j'ai passé du sapin avec un nœud, je l'ai fait exprès pour voir un peu la coupe quoi. Non. Franchement, à vous faire voir à l'image, c'est pas toujours évident. J'essaierai de zoomer ou prendre des photos et je vous mettrai peut-être... Ah bah oui, je vais vous mettre quelques photos, tiens. Si j'arrive, hein, si j'arrive. Je vous promets rien, mais je vais essayer de mettre des photos. Mais franchement, j'ai essayé le sapin, bien sûr, ça, c'est passé tranquille. Ensuite, j'avais un vieux bout de chêne, une chute de chêne. Hein. Le bois noble, vous savez, hein, en fait, c'est issu d'un meuble... où il y a eu des vers, mais il y a une partie qui peut encore être utilisée. Parce que, bien sûr, c'est souvent sur le bord que les vers arrivent, vous voyez. Et on voit d'ailleurs qu'ils ont creusé leur galerie dans le veinage du bois ici, dans le bois. Mais franchement, super lisse. Vous avez dû me voir à un moment dans la vidéo, je prends l'équerre. Pourquoi ? Parce que d'habitude, en sortie, quand les machines sont mal réglées, là, les plateaux sont super rigides, sont très bien réglés l'un par rapport à l'autre. En sortie, par moment, on a un arrondi, enfin un affaissement. Là, non. J'ai regardé à l'équerre. Non. C'est plan du début à la fin. Donc, j'ai passé ce petit bout de chaîne-là. Un autre bout de chaîne hein, d'un autre meuble. Je dirais peut-être... ouais, c'est à peu près la même chose, sauf que c'est pas dans le même sens. Mais super, super. Oh, franchement, là... Et ensuite, j'ai passé un bois exotique. Alors... C'est un bois qu'on m'a donné, je n'ai pas retenu le nom. Je vous le dirai, franchement, je n'ai pas retenu le nom. C'est ce qu'on utilise dans les chantiers navals. Le Koumé ou autre, je sais pas, mais bon, soit. Un bois très dur. Pareil, super lisse. Super lisse. Oh, franchement, là, waouh, il va y en avoir des projets. Ça m'ouvre vers d'autres choses, parce que j'avais déjà essayé de raboter ça avec la mienne. C'était galère, j'avais pas un résultat... Je vous dirai ça dans le temps avec les différents projets, mais franchement, là, je suis ravi. Là, je suis super ravi. Très, très bonne impression sur mon achat. Bien. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous rappelle le nom de la chaîne DB Bois. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker. Un pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. À commenter, dites-moi vos impressions, à partager autour de vous. Si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner, d'activer la petite cloche des notifications et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao !